Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur votre chaîne Psychovie d'Afaniel. Toujours un grand plaisir d'être avec vous. Ben, aujourd'hui, je vous apporte une vidéo, je pense que vous l'allez aimer de toute façon. Mais avant de commencer, n'oubliez non seulement souhaiter un joyeux Noël, nous voulons tout continuer, parler ou de sexualité, parler ou de santé mentale. Eh bien, c'est raison ça qui fait, je dis, hein, nous pourrons parler ou un peu de disparaître. Je dis, hein, nous recevons un appel de nos amis, puis ils posaient nos questions pour qui ça, une femme senti douleur pendant la fête bagaille. Et ça qui est très important, c'est parce que les dinons, parfois, les sentis, c'est pour garçon un cabali dû, et puis après 3 minutes, les pas qu'à kembe. Et bien, si après 3 minutes, les pas qu'à kembe, ça veut dire que c'est un problème qui est grave. Mais gravité problème ça, les pas voyez les en bataille, mais si et seulement si, les pas prend ça en main. Et dyspareunia, c'est un trouble nous joignant dans la sexualité, ce soit douleur avant, pendant ou bien après, ou fait, ou gagner un rapport sexuel ou bien gagner pénétration. Et normalement, type de douleur, ça y est, parfois, y a qu'on avec un trouble psychologique, y aurait les personnalisation, c'est que vous mettez en tête que ça va mal marcher, ben immédiatement, c'est vous captez l'image pour mal marcher, hein, ben là, mal marcher de toute façon. Et Fom dit nous, l'importance de la dyspareunie, c'est pour nous qu'apprendre en charge. Prendre en charge, je veux dire. Ça veut dire nous commencer à temps et nous précipiter vers un gynéco pour être capable d'aider nous traiter problème disparu ni ça. Bon, en fait compte, qui ça nous a fait pour disparu ni? Y a douleur avant, pendant ou bien après y a un rapport sexuel. Et c'est gynécologue là qui pourra déterminer qui type de dose ou bien de diagnostic qui pourra permettre l'effet sacré yon suivi normal pour capable soulager patient un peu patient ça pourra sous contrôle. Nous voulons tout parler de dyspareunie comme un problème d'ordre comportemental parce que nous disons problème d'ordre comportemental c'est parce que et il y a un monde qui sentit douleur pendant, après ou avant un rapport sexuel, ou pour ne pas dire une pénétration, et bien c'est un monde qui a un problème d'ordre comportemental. L'homme d'ordre comportemental, il y a pour avec une spécialité, on a eu les gynécologies, et bien qui pourra contrôler, construire vaginal là, pour voir est-ce que pas gagné des. Capable de dire ça ne t'arrête les panneaux vasculaires qui fracturent. Est-ce que pas gagné une fracture dans le vagin? Mais toutefois, gagné une fracture dans le vagin, a toujours gagné un problème sérieux. Nous disons son problème d'ordre comportemental et sexuel, c'est parce que l'hypoal réagit sur le comportement. Mon n'a pas un comportement côté que immédiatement, l'hypoal a une pénétration qui pourra le faire. Eh bien, l'hypoal sentit l'y à l'aise avec pénétration. Et ceci, il est capable d'empêcher une satisfaction. Au commencement, il a senti petite douceur et puis après, ça a passé de une phase qui est extraordinaire ou bien qui est exagérée. Et puis, on n'a pas qu'à vivre sexualité comme ça. Donc, tu as dit qui ça qui fait ou bien qui cause yon moun gagner douleur pendant, avant ou bien après l'elfine fait bagaille. Eh bien, même les nous pour faire un diagnostic approximatif pour nous déterminer exactement qui ça moun a gagné, qui type de trouble sexuel que les gagnants ou bien psychologique ou bien comportemental, eh bien, nous tout dire c'est un problème d'ordre comportemental et sexuel.
Ça veut dire, yon moun pa gen doit senti douleur pendant la fait bagay. Non clair? Yon fom pa gen doit senti douleur pendant la fait bagay. Ce soir, li manke lubrifié, et si li lubrifié, li pa gen doit senti douleur. Si gen yon panneau vasculaire qui fracturé, eh ben c'est gynécologue li kap mete li à l'aise. Voilà, je pense que ma vidéo vous a plu de toute façon. C'était Faniel Psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux déjà. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit comme ça. Très fort. Puis, main dans la main, le monde continue pour une vraie vie sexuelle en bonne santé. Le saviez-vous, hein? Problème d'ordre comportemental et sexuel, la dyspareunie. Bah oui, ou capable de disparaître en créole, disparaître. Bon, on nous dit plutôt, douleur leur fait bagaille. En créole, douleur ou senti leur fait bagaille. Puis en français, c'est la disparaître. Au revoir. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Et puis, allez mec, allez nana, faut pas oublier de partager cette vidéo à tous vos amis pour que, pour information, aller plus loin, par Kemil Poukontou, eh ben, c'est toujours une tasse de santé mentale. Je dois vous dire ça en chuchotant. Disparonie.